Salut à tous, c'est Dan, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième Let's Play sur Ratchet & Clank Trilogy. Et j'ai nommé le premier de la trilogie, le premier Ratchet & Clank. Donc la dernière fois, on a fini la mission sur la planète G3-4. Donc on a eu un info robot pour les courses d'overboard. Et notre ami Ratchet aimerait tellement y participer qu'il a convaincu un petit peu Clank se rendre sur cette planète, et ce let's play sera bien sûr consacré à l'exploration de cette planète. Donc on va commencer tout de suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc afficher mission, gagner la course et retrouver le capitaine Quark, enfin le célèbre et géantissime héros. Une belle blague, lui. Hop là. Donc on va faire une course, il va falloir bien sûr apparemment la gagner. Est-ce qu'on aurait pu aller de l'autre côté? Non, c'est pour l'instant c'est le seul chemin qui est possible de prendre. Et c'est parti. Nous avons récupéré une arme qui permet de récupérer de l'eau, d'assécher ou de remplir de traitement d'eau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite avec l'hydrodéplaceur. Et voilà, absorbé. Notre hydrodéplaceur est complètement plein. Remplir cette zone là. Pour pouvoir passer là-haut où est-ce qu'il y a le tube. Mais avant de faire, on va récupérer nos chers amis les boulons. Je veux faire la course.
une. C'est tendu, là. Conférence de presse terminée. Le capitaine Quark ne veut plus de reporter qui le harcèle dans sa caravane. En fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur patte? Les paparazzi me dégoûtent. Barrez-vous. Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra. Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche. Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon... En caleçon? Puis vous la vendez au tabloïd pour 1 000 000 de boulons. C'est pas du tout ça. Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure, et je me fais incendier par ce radin de Quark. En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com. D'avance. 4 000 boulons. Et il déconne un peu, non? On va lui donner, mais c'est vraiment parce qu'il faut le voir. Eh ben, c'était pas compliqué. Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Capitaine Quark. Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah, oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait! Génial! Alors on peut aller faire de l'overboard? Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument! Oh tiens, prends ça! Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force? La compassion? La détermination? Ou bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. Cet info-robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans ciller ses agressions assassines sans s'immiscer en soulis? Serez-vous sur son... Oh! Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique! Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi, retrouvez-moi à mon QG. Eh, hey, capitaine Ratchet. Pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Oh, ben voilà, j'ai trouvé le... Ouais, mais il faut venir de l'autre côté aussi. C'est lui, je vais ouvrir. Il va falloir qu'on s'en aille. Alors qu'on aille au QG de la base de Quark. Bon bah c'est parti pour la base de Quark. Parti.
peut-être qu'on en a pas encore assez fait. Quoi? Je n'entends rien. Je disais, tu trouves peut-être qu'on en a... Je n'entends rien du tout. On verra ça plus tard. Plus tard? On sera peut-être déjà mort. Hein? Allez, viens, Clank, on s'arrache. Et nous voici donc dans le QG de Quark pour la suite de cette mission. Donc il nous a entre guillemets défié de faire son parcours du combattant, si je pourrais dire ça comme ça. Donc on est parti, on va faire son parcours du combattant pour voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire à la fin de ce parcours. Alors, est-ce que t'as quelque chose à me vendre? Et oui, super affaire pour vous aujourd'hui. Le Gormin. Pour 7000, mais je n'ai pas 7000, je reviendrai plus tard. On va prendre le Swinger. Peut-être dû faire un saut. Ah, c'est bon. C'est trop cher à avoir monté. Hein. On n'est pas un jambon. Je pense que là, ça doit être un truc qui doit ramener au début. Son truc, ça commence à faire mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir voilà. On va du coup trop se faire toucher. Ça va nous permettre d'exploser les petites caisses en métal. Donc les mines, quand on se rapproche, ça explose. Bah, c'est explose, non. Quand on se rapproche des mines, ça les met en mode activation. Donc là il va falloir sauter. On va voir comment ça l'arrête pas, ça désactive juste. Il n'y a pas moyen de quitter sa gueule. On va continuer, par contre je vais peut-être changer dans les options. Je vais mettre une caméra un peu plus rapide. Parce qu'à chaque fois je perds un petit peu de temps sur la caméra. Voilà. Alors là, ça pique, hein. Ok, de la vie là-bas. Je suis pas sûr que ça allait exploser les... La gueule, ouais, ça fait mal, hein. Il commence à avoir un bobo Ratchet. Voilà. On va récupérer un peu de vie parce que là ça commence à devenir critique un peu. Ça va. Voilà. Bon, c'est ça. Donc je suppose qu'il va y avoir un temps différent pour ça du fond. Bon sens. L'avantage dans le jeu, c'est que les caisses de munitions comme ça, elles ne disparaissent pas. Bon, il n'y avait pas de sens apparemment. Par contre, ça a ouvert où? Voilà. Comme je ne m'y attendais pas.
ma caisse de munitions. Attention au barbelé. Ok. Lui, je l'avais pas vu. C'est bizarre sa tête. Avec sa caméra. Ah, il a 5000 boulons. Ouais, c'était chaud. Allez, donne-moi de l'argent pour mon grand mine. Il me redonne ça. Alors le dernier objet que j'ai pris, c'était Swinger. Je vais dire, est-ce qu'on peut? Là, je pense qu'on a été dans un endroit où on aurait peut-être pas dû aller dès le départ. Vers la porte qui avait là-bas. Pour éviter. Voilà. Ah ouais. Ah le boulon en or. Eh, je savais même pas. Franchement, bien joué. Et hop. Je sais pas combien il y en a dans ce niveau, tiens. Nous allons regarder. Afficher mission. Inventaire précédent. Ah, c'est pas noté. Bon. Non, je vais pas rejouer. Ah, ça c'est un truc qui va être bien chiant. Le rond, c'est jouer la cinématique de l'info-robot qui nous a permis d'aller sur cette planète. Sauf que d'habitude, sur les niveaux, sur les jeux actuels, le rond c'est pas quitter. Alors que là, c'est triangle. Ça a du mal à rentrer dans ma petite tête. Donc voilà, on arrive à 5800 boulons. Il donne toujours une grosse. Donc ça on fera une fois que j'aurai cassé les pièces. Ah, il va jusque là le salaud. Ouf, ça c'était juste. Ok, là il y en a un au milieu, il y en a un au début. Voilà. J'ai ouvert quoi? Je sais pas, mais j'ai ouvert quelque chose. C'est où? Peut-être là-bas. Non.
On récupère encore de la vie. Je me moque finalement son parcours du combat n'est pas si ridicule que ça. On peut casser sa statue. Elle est longue cette échelle, dis donc. Il faut l'hydro. Non, c'est pas ça. On va y quand même aller chercher les caisses d'argent. De l'eau, mais avant de remettre de l'eau, on va déjà tuer cela. Ils en mettront moins quand on sera dans l'eau. Voilà. À prendre, alors on fait soit en une étape, soit en deux, soit on va chercher la vie direct. On n'a pas peur des poissons, soit on vide, on tue les poissons, on remplit, on va chercher la vie. Non, pas trop. Easy. J'avais dit qu'elle allait nous servir cette manipulation. Hop là. Compliqué de nager hein, quand c'est pas des... Faut remettre de l'eau. Ouh, c'est bleu. Ici, mais je le sens rien. Ok, ça c'est fait.
Ça c'est fait. Ouais. Explosion de vol. On va faire autre chose, c'est bon, j'ai pigé. Wow. On va aller vider l'hydro. Voilà, on va aller là-bas, et on va aller revider une deuxième fois, on va vider le bassin une deuxième fois. On va aller vider le bassin de l'autre côté, oh, un petit redotil. Pour pouvoir utiliser le swinger une deuxième fois parce qu'apparemment on touche l'eau avant et ça c'est pas bon. Là on aurait pu oublier un truc. Hey hey, deuxième boulon en or, dis donc. Donc on recommence. On était ici. Passer à la grande échelle. Voilà, on a vidé ce bassin là, on est passé là, on est tombé parce qu'il y a un trou. Ok. Est-ce que là tout va bien? Ici on a trouvé le boulon. Là on a vidé le bassin pour tuer les poissons et on l'a re-rempli parce qu'il n'y a aucun passage. Donc non, de toute façon il n'y a pas de mystère. Pas de mystère, il faut passer par où je suis passé. Maintenant pourquoi ça marche pas? C'est une bonne question. Pourquoi moi ça marche pas? Il y a un truc que je fais pas là, c'est pas possible. Parce que le bassin, je peux pas le vider de plus. Ah, il fallait pas sauter. Oh là là, la misère. Fallait juste pas sauter, parce que moi, à chaque fois que je faisais un saut, je sautais. Et ça, c'est le truc à pas faire. Donc déjà là, on va tuer tous les poissons. Petit. Tu crèves. Il est où le dernier? Tout au boulot récupéré. Et on vole, et on vole. Allez, on remplit la salle. Intéressant. Ah.
bah il faut revider la salle. Qu'est-ce qui nage bien? Bon, les épisodes seront un peu longs, vous m'excuserez, mais bon. Je sais pas non plus vous faire la moitié d'un épisode. Hein. On peut vous faire plutôt la moitié d'une planète. Autant faire une planète complète. Ouais, mais non, je voulais pas que tu sautes dessus. Voilà. Tu me fasses ça. Voilà, ça marche mieux comme ça. Aurait-on bientôt fini le parcours de Quark ? Il semblerait que oui. Bien dit, il semblerait. Alors, va-t-on voir le vrai Quark ? Bien, bien. Vous arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros, et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Ah non, les pousse-toi de là, pauvre imbécile. J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider, il va nous tuer. Tu piges vite, dis-moi. Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non? Mais ça ne saurait tarder. Ah, il a basculé, l'enfoiré. Bon, on va pas s'embêter. C'est pas ça que je voulais prendre. Ah bon. Oula. Oh, ça va si loin son truc. Non ! Et quel abruti ! Bien joué. Hop là, sauf qu'il pneu. Bon, on va l'avoir.
L'eau. D'accord, donc en fait à chaque fois il va nous détruire un pont, pour foirer. Aller chercher de la vie. Hop, Nigo qui sert à rien. Allez, viens mon cochon. Oh, quel dommage, tu perds ton bouclier et tu crames. Allô ? Non mais j'allais dire, il n'y a plus de pont, mais si, il y en avait encore un là-bas. Merde. Allez, plus vite. Alors comme ça, le capitaine Quark est de connivence avec le capitaine Drake. L'amiral Drake, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus quel titre il a. Aou ! Je me demande à quoi sert cet info-robot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les airs! Là, on l'a échappé belle, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide! Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat! Si l'ennemi ne tue pas ses gars, je m'en chargerai! Je ne veux plus dire que longtemps! Je demande de l'aide immédiatement! Terminé! Les vaisseaux de Drake sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse. Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché les poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du capitaine Quark.
La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi. Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark. T'es loin de me connaître, mon petit gars. Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark. C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve. Tu me fais du chantage? Ok. Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau. Alors j'aime bien parce qu'il change de vaisseau depuis le début du jeu, mais il a toujours besoin d'un truc robotique. Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais. Enfin... j'avais un plan et je pensais... Tu pensais? Tu pensais? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Mais... Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Mais je voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien! Allez, hors de ma vue! La planète Beigita, j'ai bien lu. Garde à vous, misérable vermine! Soldats, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même! Eh, faut arrêter le café, moi! La Ferminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville! Il a besoin d'aide. Ah ouais? Ben vas-y toi si tu veux. C'est encore un piège. Alors allez, vas-y. Va casser du méchant. Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends la casse. Bon, on voit que les liens entre nos deux personnages commencent à devenir tendus parce que Ratchet commence à en avoir un petit peu marre d'être le héros. Donc on se retrouve la prochaine fois sur... De quoi cette planète? Planète Battalia. Donc on se retrouve la prochaine fois sur la planète Battalia. J'espère que ce let's play vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. C'était Aidan.